jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Apprenez à savoir quels sont les symptômes d'une carence en vitamine B12. La vitamine B12 est un nutriment important pour le bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et le sang. Malheureusement, les humains ne produisent pas, alors nous devons le prendre par les médicaments, les repas, les boissons, etc. C'est une substance soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'eau. Il est très courant qu'il y ait des personnes présentant une carence en vitamine B12. En fait, 40% des Américains ont des problèmes pour assimiler ce nutriment. Symptômes de carence en vitamine B12. Avoir une carence en vitamine B12 cause des problèmes d'humeur, entraînant de la fatigue, de la mauvaise humeur et parfois du manque de motivation. Il affecte également notre système circulatoire, se manifestant par des fourmillements dans les jambes et des sensations étranges d'engourdissement. Il produit une anémie, la faiblesse et parfois extrême souffre de délire et d'hallucinations. Autres symptômes moins graves du déficit. Ce sont des symptômes qui ont tendance à négliger parce qu'ils pensent qu'ils sont normaux ou causés par le rhume. Peut se produire très souvent le diagnostic de la langue enflée et pâle, la peau jaune et des frissons dans tout le corps. Un malaise général est un autre facteur commun à cette carence, aux étourdissements, aux douleurs oculaires et rarement aux maux de tête sporadiques. Maladie grave due à la non-assimilation de la vitamine. Il est important de savoir que la carence en vitamine B12 azimilamiento provoque des lésions cérébrales, comme le manque de mémoire, l'orientation et la neuropathie, plus ils peuvent aussi souffrir de dépression. Le corps a besoin de cet élément nutritif essentiel à la production de globules rouges. Si vous souffrez d'un manque d'assimilation, vous pouvez souffrir d'anémie. Pour vérifier que vous avez cette déficience, vous devez consulter un médecin et passer les examens correspondants. Pourquoi la carence en vitamine B12 est-elle née? Habituellement, cette carence est causée par une mauvaise alimentation. Les végétariens sont les plus fréquemment atteints d'insuffisance en vitamine B12 due à une consommation faible ou éteinte de viande et d'autres protéines. Maintenant, il y a certaines maladies qui font que le corps n'assimile pas ce nutriment et nous fait plus de mal que nous. Ces maladies et autres cas sont: alcoolisme chronique, maladie du côlon, déficit de digestion, intestin déficient. Il se produit quand dans notre corps il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Les bonnes bactéries sont celles qui provoquent la digestion. Hypomabilité intestinale. Cela se produit grâce à l'intolérance aux protéines laitières, à la sensibilité au gluten et aux bactéries dans l'intestin grêle. Anémie pernicieuse. Cette anémie détruit les cellules qui produisent le facteur intrinsèque. Cette protéine aide l'organisme à assimiler la vitamine B12. Traitement pour la chimiothérapie. Les agents chimiothérapeutiques provoquent une irritation des cellules de l'estomac et des intestins et empêchent la pénétration de la vitamine dans la circulation sanguine. Les chirurgies pour perdre du poids. Prenez beaucoup d'antiacides pendant longtemps. Votre santé vient en premier. Pour cette raison, nous vous encourageons à préparer et suivre nos recettes et laissez-nous vos résultats dans la section des commentaires. Si cet article vous a aidé, nous vous invitons à le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous laisser toutes vos préoccupations dans la section des commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.